Ouais, yo les boys, yo les girls, yo les animaux, yo les végétaux, et yo les coraux, et yo les cailloux, et yo tout ce que tu veux, quoi. On est trop la franginitude. Quoi, ça se dit pas. Putain, c'est vrai qu'on fatigue au bout d'un mois à être enfermé. C'est plus pareil les réflexes, hein, vous avez observé. Ouais, bah je suis moins rapide, j'ai l'impression. Moins rapide, moins puissant. Ne serais-je pas l'homme qui vaudrait moins de 10 milliards? Je me pose la question des fois. Oh, je me tire un peu. Il fait nuit. J'aimerais bien avoir beaucoup de lumière. Putain, qu'est-ce que ça fait chier de pas avoir de la vraie lumière. Comment ça, je me plains? Non! Mais quand même, un peu, ouais. On va jouer, hein. Ouais, c'est le seul moyen que j'ai de vérifier que ça marche encore. Que mes yeux sont fonctionnels. Que mes réflexes sont toujours présents et que la puissance inspiratrice qui me permet d'esquiver les boulettes par nuée sera là à ma rescousse. On se le remet ce morceau, il est vachement bien, non? Moi j'aime bien. Bouya! Vas-y, fais péter Monsieur K. On va faire ton setup pendant ce temps, ce serait une bonne chose. Se remettre le morceau, hein. On se fait un démarrage tranquille. J'ai pas fini mon apéro. Doucement derrière là. Le monsieur cause. J'ai pas fini mon apéro. Oui, ce soir, si je fais un 1CC, franchement, ce sera très drôle. Parce que j'ai absolument réuni toutes les conditions pour ne pas le faire. Donc, il n'y aura pas de 1CC. S'il y a un 1CC, sérieux, enregistrez l'émission parce que je vous garantis que j'ai vraiment mis tous les moyens pour ne pas y arriver. Je suis fatigué, ouais, parce que j'ai fait une nuit courte, bah ça c'est habituel, donc une nuit normale on va dire. Beaucoup de montage vidéo, ça m'a bouffé la matinée et les yeux, ça m'a surtout bouffé les yeux. Ah, et voilà, et donc à partir de 13h j'ai commencé l'apéro. Comme tout confiné qui se doit, ne dites pas que vous faites pas ça chez vous, putain ça serait trop mal mentir quoi. J'y crois pas, vous n'avez aucune crédibilité. En ce moment tout le monde commence l'apéro à 13h. Après, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un problème de métaux, il y a eu une vague de brouillard. J'ai rien compris ce qui s'est passé. Et bien entendu, bah à 16h, il y avait le thé pour les Anglais, et donc l'apéro encore. Oh, pour les autres. Et donc là, on est 21h16. Ouais. Et je vais roxer dans Mushimesama. Je ne m'en doute pas, vous non plus. Oh, quelle impatience. Quel suspense. Quelle non-crédibilité. On y go. Je vais avoir du mal à pas me marrer ce soir, en fait. Ça va être très compliqué. Mais... on est là pour rien, les gars. Il y a rien à gagner. On va y arriver. Ah si, il y a peut-être un truc à gagner. Je vais vérifier avant. On va faire ça. On va faire jeu concours, peut-être. Je vérifie un petit truc. Oh mon dieu que ça rame. Oh mon dieu que ça rame. Oui, je suis en train de chercher un truc sur le web que j'avais posté. Et donc il y aura une clé à gagner ce soir, voilà. Parce qu'elle n'a pas été gagnée par mes tipeurs. Mes tipeurs veulent pas les cadeaux que je leur fais, quoi. Ils savent trop que je suis dans la merde. Ils sont horribles. C'est le pire tipeur du monde, quoi. Ils savent tout, quoi. Genre, un jour, si je dis il me faut des nouvelles godasses, ils sont capables de m'amener la bonne pointure. Je sais pas comment ils font, c'est des malades. Je vous les recommande pas. Je les enverrai pas à Squeezie. Promis.
Allez, le morceau est bientôt fini. Et on va aller se faire plaisir. Enfin, je sais pas, ça va être un plaisir, quoi. Moi, je rigole. Je sais pas, tiens. Ah, j'ai pas de batterie. J'aurais bien fait un petit break à la batterie, mais je viens de me rappeler que ça fait plus de 20 ans que j'ai plus de batterie. Au revoir. On y va. Et voilà, c'était Georges. Pour finir en beauté, on va se faire latter la gueule dans Mushi Mesama. Foutari, Black Label. Je pourrais le dire avec une voix encore plus grave si je voulais, mais c'est à chaque fois j'ai du mal à pas rigoler. Hop, petit alt-tab, Salvateur. Est-ce que je vais l'avoir du premier coup? J'aurai mon bug magique et sempiternel du. Ah, oh, je l'ai pas. C'est incroyable. Moi, je suis à chaque fois surpris. Hein. C'est un petit peu la loterie quand même. C'est mon programme d'ému qui est comme ça. Il est un petit peu taquin. Ah, c'est beau cette décompression. On regarde la démo, parce que je me rappelle plus comment on joue. Oui, bah j'ai envie de faire le con ce soir. Comment ça tape sur la cafetière à tout le monde? Non, moi je suis censé être super entraîné, mais je vous avoue, ça me tape un peu sur la cafetière. C'est le manque de soleil surtout. Parce que quand on est hikikomori quand même, on sort aux heures choisies où il n'y a personne. Et on va traîner dans les endroits où il n'y a personne, de préférence. Et après, de temps en temps, on s'offre une. Et entre 10 minutes et une demi-heure de bonne foule dans un bar de préférence avec plus de 90 décibels de volume, et c'est vraiment enrichissant. Mais du coup, on sait qu'on a besoin que de ça une demi-heure maxi par jour, quoi. Après, ce serait de la gourmandise. Je suis baissé le retour. De toute façon, je vais chanter, on s'en fout, et on est go. Mais quel est ce jeu? Original? Non? Maniaque? Ouais? God? Pas encore. C'est pas pourquoi. Mais bon, on peut y aller, hein. Moi, j'ai peur de rien. Ouais, je change de vaisseau un jour, mais non. Là, ça va être mon nouveau dicton. Faudrait changer, mais non. Le changement, mais ouais, non. Oula, je sens que ça a donné ça. Oh là, je suis pas dedans. Il y a personne au guidon. Il y a personne au guidon. Si j'arrive à passer le premier tableau sans me scratcher déjà, ce sera un petit miracle. Ah, je bombe, je bombe, je bombe, c'est mon merde. Arrête toi, on avait dit qu'on faisait pas ça là. Ah, c'était un peu chaud là quand même, c'est vrai. Ça doit être moi. J'ai l'impression que c'est. Pour moi, ça sonne un peu comme la croisière s'amuse maintenant, tellement c'est devenu classique ce premier niveau. Et du coup, je vais me faire avoir pour un truc que je fais pas gaffe. Tout bête. Bon, c'est probable. Attends. Attends, je passe, j'essaye un truc. Putain. Attends, j'ai mes clés là. Oui, ils ont fait mes clés qui rentrent dedans. Ah, on va essayer un truc marrant là. Ah, ah c'est marrant ça. Ah, c'est drôle. Comment ça, j'ai pas le temps. Mais, ah, je fais des efforts, bordel, pour vous faire de l'entertainment, les amis. Faites quelque chose. Supportez, quoi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, elle est extra. Moi-même, je la regarde, pour vous dire. Je fais n'importe quoi ce soir et ça passe trop bien, en fait. Faudrait que je joue tout le temps comme ça. Ok. Ouais, on va peut-être faire un 1CC ce soir, peut-être un perfect. Hein. Ah bah, moi, j'annonce, hein. J'annonce. Je suis tellement détendu, pourquoi ça ne passerait pas bien? Parce que d'habitude, je suis trop stressé et les vrais chmeupeux, les super players qui regardent des fois les conneries que je fais, me disent, mais c'est bien, mais t'es trop tendu. T'es trop tendu encore. Et pourtant, je suis zen, hein, mais je suis quand même tendu, c'est vrai. J'arrive, 2 secondes. Ouais, j'étais un peu labour. Ouais, ça arrive. Je t'ai raconté pour les clés? Non. Ah, merde.
Comment on va faire? Les clés? Personne n'a vu les clés. Celles que j'avais dans la poche, normalement, qui me... Alors, oh, je veux pas discuter avec vous, vous avez pas trop de discussions en fait. Hein. Non? Laissez-moi alors. Attends, je t'ai fini. On y va, allez, hop, 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 next. Je suis pressé en fait d'être au dernier tableau, tout simplement. Je le dis très très honnêtement parce que ça m'intéresse pas trop là. Si, il y a le tableau d'après qui est sympa. Parce que je fais encore d'énormes pings dessus et ce serait bien que. Ben, voilà. Qu'on mette un petit peu de bromure dans tout ça quoi. Oui, le bromure, vous vous renseignerez, c'est une vieille recette de l'armée. Ça servait pour des trucs en particulier, pareil. J'ai pas trop eu à faire ça et. Je sais pas si ça aurait des effets sur moi quand même. Hop, fais pas ta connerie là, ce serait moche. C'était pas moi. Écoutez cette belle musique spectrale. Allez, hop, pas touché. Next! Next! Wow, j'attends là. C'est quoi ça? Ça c'est... Ah, j'ai pris une boulette. Ah, ça c'est bien, ça me fait plaisir. Ça me rappelle que je suis mortel. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pas demander à un chemin? Rappelle-moi que je suis mortel. Quoi? Non, non. On n'a pas fini là. Deux secondes, j'arrive là. Hop, 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 doucement. Oh, pas la chemise. Eh, je l'avais hier, merde. Pas déconné. Le jour où je vais essayer ce jeu sur une borne, mais comment je vais avoir le kiki tout dur? Mais vraiment quoi. Ouf, c'était ton circonsem ça. Parce que la fréquence d'affichage, déjà ça va être autre chose. Je vais pas avoir les saccades et du coup je vais morfler un peu plus parce que je trouve le jeu speed en comparé. Parce que là il est relativement paisible quoi, ça se. Tu vois, tango à gauche, tango à droite. Merde, j'ai raté mon tango à droite. Petit pas, petit pas. Ça m'a énervé là. Non mais je vais me faire la bombe, je pense qu'il me faire chier. C'est l'heure du thé. Hein, hein, hein. On va pas chercher. Hop, allez. Bon bah, vas-y Polo. Ouais, faut que j'apprenne à le passer. J'ai pas envie, mais vraiment. Non mais même en forçant, regarde. Ça se voyait que j'avais pas envie, non. Je l'ai fait quand même. C'est parce que j'avais pas envie, pour faire voir que j'avais pas envie. Non, c'est là-bas que tu tires. Non, pas ce pattern-là, on a dit. Pas ce pattern-là, il est pas bien. Si, au bout d'un moment, au début, ça passe. Mais si tu te fais durer plus de 10 secondes, t'es mort. Bon, maintenant, le tableau intéressant. Oui, il faut que j'arrête de faire le con et que je regarde un peu mieux. Parce que jusque-là, c'était... Oui, j'attendais de me téléporter après le troisième tableau. On y va. Là je fais souvent des conneries mais des toutes petites conneries, le problème c'est qu'il les pardonne pas ce couillon. Mais je fous là moi. C'est le gros truc à pas faire quoi. Aïe aïe aïe, je voulais essayer, je voulais voir si ça passait mieux peut-être. J'ai vu la petite rainure, on pouvait se faufiler. Je me suis dit, oh, ça passe, il va péter. Et l'autre il pétait pas. Donc je commençais à vraiment m'inquiéter quoi. Je me disais, il y a un problème quand même. Il y a un problème sur la structure. Oui, je sens que le nid alvéolaire des ailes est en train de se fissurer. Ta 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 ta.
fait pas une blague. Il est fou. J'arrive, j'arrive. Oh, oh, Bolo. On n'est pas chez Bolo, quoi. Puis combien même? Oh, dommage, c'est une rouge qui m'a eu, putain. J'étais à fond focus sur la petite diagonale qui était sympa, là. Que ça, si je le rattrapais jusqu'au bout, c'était magnifique. Oui, monsieur K, c'est les streams du rattrapage. En fait, tout mon stream à chaque fois, c'est un rattrapage. Mais non, pas la petite bête de merde, on fait pas ça, pas devant le public, merde. Allez, dis à la répète, personne n'écoute. Non, mais moi, l'échec, chômage partiel, les gars, c'est fini. Salut. Ta mère. Ah, je savais qu'il allait me faire une toile, quoi. On y va tranquille, regarde. Regarde, ça passe comme papa dans... Ah. Dans quoi? Il y a du fusil à côté. Deux secondes, on y revient. Allez, je suis tout à toi. Non, mais ce soir je vois rien. Alors, il y a des trucs, ça passe super bien, puis il y a des boss. Et bah les boss ça veut plus. Hein. C'est finito et le bosso. Et le bosso et la massacrado et le streamo. Hein. Je m'en débarrasse comme ça, ça ira mieux. Hein. Voilà. Un petit coup à boire et on y retourne. C'est pas plus compliqué là. Je vais faire le connard de comptoir. Et Tolier, t'as pas plus fort? Ah. Ouais, bon. Tolier. Non, mais un truc que vous gardez pour les vrais clients, quoi, pas les touristes. T'as? Ouais, fais voir, fais goûter. Ah ouais. Pas mal. T'as rien d'autre? Je sais pas, t'es un animal encore vivant de long, quoi. Non mais je suis chaud là. Même les papillons, je suis chaud quoi. Je fais clair. Si j'avais fait ce stream là pour la soirée Covid, ça aurait quand même été vachement plus spectaculaire, je veux dire. Bon, je vais bien manger celle-là. Quelle nouille!
des sports, ça. Je referai plus trop. Mais j'ai fait une merde, je voulais revenir à gauche et je suis pas revenu assez. Oui, malgré les conneries, je fais pas que n'importe quoi. Désolé. Bah, un jour, je vais faire un stream vraiment n'importe quoi, ça sera marrant. Mais... Ouais, vous trouverez pas ça marrant, quoi. Vous aurez trop l'habitude. Putain, je l'avais mon mouvement. Je suis dégoûté, quoi. Ce papillon, en fait. Il va le passer que quand il vient de la droite vers la gauche, pour vous donner le gros secret, la grosse lacune. Il vient de la... Enfin, de la gauche vers la droite. Quand il vient de la droite vers la gauche, j'y arrive pas. Et là, c'est foutu, là, c'est foutu, là, c'est foutu. J'ai dû rajouter des thunes, on est pas dans le LCC, là. Et je suis pas... Je regarde au replay. Je suis pas, moi, je suis dans le jeu. Let's go. Allez, hop. Putain, on achète pas des lunettes. Petit con. Hein. Faut pas bouger là, en fait, monsieur. Je me force parce que je bouge tout le temps là. Bouge pas. Celui-là je le connais. Ah mais il fallait bouger là. Je me suis mélangé les patterns. D'échec. Ça gère. Je me suis décalé d'un pattern et j'en ai pris un que je connaissais pas bien pour l'autre que je connaissais bien. Et vice versa. Oui, il y a ravitaillement. Hein. Bah, il y a des soupçons vides entre chaque niveau. On profite. Chanter, non, pas chanter. Not tonight. Je sais plus mon one-note. Le one-note que tout le monde déteste. Jamais ça quoi. Attends, il va char ce soir ou c'est moi qui suis plus dans le mood. Allez, deux fois. Total décontracté sur ce niveau parce que c'est
c'est vacances à la playa, quoi. J'arrive à me mettre sous la boulette, toute seule, isolée comme un cake. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, ça va être le bordel si j'arrive en même temps que lui. Il faut qu'il parte là. Monsieur, au revoir. Oui, bah, c'était temps quand même. Regardez à quelle heure vous êtes arrivé. Lado, bah oui, moi aussi je peux être sympa. One up, ils ont pas longtemps, je crois. Et je vais le rater, je suis sûr. Je suis à peu près sûr. C'est con parce que il y en aurait besoin, quoi. Et par là. Tim, 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 tim. Et par là, et par là, et par là. Je le savais. Ah, j'ai bombé. Oui, bah, je suis aussi fort que ce jeu peut l'être. Il n'y a pas de raison, quoi. Il fait pas de cadeau. Ce one-up, il n'est pas probable. Sérieux, tu ne l'es pas là. Il faut vraiment être un sacré vachard pour penser ça, quoi. Et du coup, il fait rire tout le monde, ouais. Parce que tu sais que quand tu vas te faire ton one-up, si tu rentres dans une bonne grosse zone d'improbabilité. Et c'est moche. Bon, le truc bien quand même, c'est que je joue pas moins bien après une journée d'apéro que sans. C'est pas mal à savoir quand même. De là à dire que les shmups sont des jeux faits pour... Non, ça je vous permets pas déjà. Faut quand même... Il y a des limites. Ah, pas putain. Je me remets dessous, mais... Je la méritais celle-là, c'était trop... Ah, putain, spank me, quoi. Ah oui, je mets la boule rouge dans la bouche là et je vais dans la cave à Z. J'ai trop cherché la connerie qui m'est arrivée. Je m'en veux parce que c'était à peu près joli jusque là. Voilà, je me suis trop vanté. Ben voilà, voilà ce qui arrive quand je vante trop. Le payback arrive toujours. Et il se rappelle à toi. Toi qui as osé. Je me suis pris l'autre qui m'a mis un coup d'aile dans la gueule. Ouais, je t'ai regardé pour le boss, toi, presque. Ah, cette fin de niveau aurait été déplorable, c'est dommage. Le reste était pas trop mal, quoi. C'est... Ouais. Il y a juste... C'est humain pour faire des choses. Je bouge pas, j'ai décidé de pas bouger aujourd'hui. Moi je reste où je suis. Vas-y. On fout. Et tu veux impressionner qui là? Oui, aujourd'hui je fais dans les skills qui ne bougent pas. C'est un style. Il y a un moment faut un peu bouger quand même. C'est pas comme ça. C'est 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Bah, tu veux t'amuser, on va s'amuser, hein. Qu'est-ce que je te dis, quoi? Je suis pas là pour t'ennuyer. Ouais, je fais que passer. Je suis un joueur. Oh putain, mon pattern de la haine, je le déteste, ce truc. Chaque fois sur la fin, je me le prends dans la tronche. Oui, celui-là c'était off, parce que off. Dommage, je dirais presque. Tu vas te faire bomber toi si tu continues. Hop. Qu'est-ce que je disais? Bah oui, bah, allez, fais péter ton pattern qui pue. Ça c'est le pattern pour les ophtalmos. Il est juste là pour faire chier, te faufiler, genre pour que tu vois pas trop bien. Ah, tu sais que tu vois pas trop bien, quoi. Ah, t'es bien pris celui-là par contre. On va arrêter le gag.
Non, tu t'en vas, tiens, et là tu te re, regarde, hop, tu t'en vas encore. Vas-y, tiens, et là je baille, regarde. Ah, cette provocation. Donc vous voyez les gars, le confinement, c'est mal, parce que ça détruit les capacités humaines. J'ai moins de puissance, j'ai moins de réflexes, j'ai moins d'endurance. Ça va pas du tout. Alors qu'avant sur l'écran, j'étais vachement meilleur, quoi, je veux dire. Avant de ton complotisme. Ce soir exceptionnellement, on regarde le générique de fin en entier parce que. Tout le monde comprend l'histoire et se demande ce qui pourrait y arriver ensuite. Car bien entendu, Mushi reviendra un jour, c'est obligé. Ah, s'il y avait un Mushi 2 qui sortait. Là, je pense que je commencerai à sérieusement à m'inquiéter de participer à créer un culte de Kayu. Parce que si ça avait les mêmes capacités de jouabilité, parce que je le rappelle, les qualités de ce jeu, c'est qu'il s'adapte à tout le monde. Quand tu débutes ton chi, tu vas trouver ça dur sur tes premières runs, puis au bout d'une dizaine, tu vas faire « Oh, pas tant que ça !» Tu vas comprendre, tu vas décoder le jeu. Et du coup, tu vas passer dans les modes supérieurs. Et là, ils vont t'apprendre des nouvelles saveurs. Et c'est très intéressant. Et après, tu passeras dans le mode God ou Ultra. Et là, tu comprendras que c'est ton instinct qui te fait survivre, en fait. Si éventuellement tu ne comprends pas que c'est ton instinct qui te fait survivre, je t'invite à consulter parce que tu es sans doute victime d'autisme. Oh, on va dire la vérité quand même. Ce serait moche de mentir aux gens. Mais voilà. Les shmups, c'est particulier. Les bullet-hell, c'est très particulier. Mais le but, c'est de s'amuser en fait. Et je vous garantis que Mushi, c'est vraiment un des meilleurs programmes. Un des programmes les mieux foutus pour initier. Populariser ce mouvement inquiétant qu'est le shmup. Je vais la faire comme sur YouTube, puisque on est sur YouTube. Oui, tu mates un replay. Playlist, bouton d'abonnement, poil aux dents.